On offre ? Oui, toi. Ah non, moi je préfère ça. D'accord. Et d'accord, on y va. Mon pauvre vieux, les empires s'écroulent. La République. Bravo, monsieur Ségalo, ça c'est du meuble. Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages. Café. Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons ont remarqué ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Franz pense à tout et à rien. Il ne sait pas si c'est le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve monde. Arthur lançait une pièce en l'air pour décider qui se taperait Odile. Il avait choisi face. Odile cria face en ramassant la pièce qui tombait sur pile. Franz hérita de la Simca. Il rôda longtemps, triste et seul, le regard toujours fiévreux. Alors que sur les boulevards extérieurs, Arthur racontait à Odile qu'un jour, il avait croisé dans la rue quelqu'un qui marchait comme ça.